j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mardi 7 ou 8, je sais plus. Hier ce que j'ai fait c'est ranger mon dressing, mais les gars, non, je vais m'asseoir parce que je peux pas. Je vous ai dit hein, depuis un moment que j'essaye de faire des efforts niveau fringues et tout, fast fashion etc. Non pas que je vais devenir minimaliste, c'est pas ça, mais que j'ai vraiment envie quand même de faire attention aussi bien pour moi, mon porte-monnaie, pour la planète. Et pour moi. Et hier du coup donc je me suis attaquée au dressing que je... Franchement je laisse ça... Je passe devant, je dis oh non, je vais le faire demain. Non, et puis après demain. Bref. Donc hier je l'ai fait de 13h à 21h. Et les gars, j'en pouvais plus. J'en avais marre. Mais quand je vous dis marre... Et déjà j'avais déjà trié des fringues. J'en avais déjà donné dans mon entourage. Et franchement là j'en peux plus. Et c'est là où je me dis que la fast fashion c'est bien, c'est pas cher, on a des fringues toutes les semaines, des nouveautés, des trucs, mais je peux plus parce qu'il y a plein de vêtements que j'ai mis une ou deux fois parce que c'était stylé sur le moment, j'aimais bien. Et pourtant je me dis des fois j'achète quand même des pièces intemporelles, j'ai vraiment des pièces que je mets souvent, on me demande « Ah, tu l'as acheté ?» Ben, je l'ai acheté il y a 2 ans, 3 ans, mais là là. Non, j'en pouvais plus. Ça, dites-vous que c'est donc des vêtements encore que je... Je sais pas si je garde. Là, c'est censé être des vêtements que je peux vendre. Et ça, c'est des trucs à donner. Donc, je sais pas. Parce qu'il y a des trucs que je peux même pas vendre. Parce que y a, soit c'est taché ou soit ça a bouloché. Parce que la fast fashion, encore une fois, c'est bien. Il y a des trucs que tu achètes pas trop cher. Mais la qualité, c'est zéro, quoi. Même du Zara, hein, attention. Hein. Donc, voilà. Donc, ça, tout ça, je vais donner. Parce que c'est pas forcément vendable. Voilà, c'est pas... Sur Vinted, en plus, des fois, les gens, t'as des trucs que t'as acheté 20 balles, ils veulent te l'acheter 1 euro. Donc, je comprends, mais il faut pas abuser, quoi. C'est surtout si le truc est neuf. Bref. Donc, du coup, je voulais finir de ranger ça. Alors, c'est pas encore rangé, mais je vous jure que j'ai fait du tri. Je sais, ça se voit pas. Mais là, mes blazers, j'ai essayé de voir un peu comment j'allais ranger. J'aimais bien. Alors, oui, les blazers, j'adore ça. Et encore, je me dis que j'ai pas, tu vois, il me faut un beau blazer camel. J'en ai pas. J'en ai vu un chez Zara, là, oversize camel en cuir, là. Bref. Bon, la meuf, elle fait du tri. Elle avait déjà racheté. Non, mais voilà, je vous dis, voilà, je pense pas que c'est définitif parce que je pense que je vais mettre les blazers par là. Enfin, voilà. J'ai un peu, des idées en tête, mais c'est pas terminé. J'ai mis pour l'instant mes bijoux comme ça parce que je trouvais cette astuce là, je l'ai vu nulle part et franchement j'ai pris mes trucs à rideaux là et du coup j'ai mis ça comme ça en attendant parce que j'en avais marre que mes colliers soient sur ça et j'arrivais pas à voir. Là franchement c'est top, je le prends, je le remets, c'est nickel. Là pareil, je vais voir si je peux rajouter des petites boîtes et tout. Parce que ça glisse pas en soi, hein, parce qu'il y a le tapis en petit dérapant. Mais c'est un peu relou. Donc voilà, ça me plaît pas en fait. Donc voilà. Ça me permet aussi ce tri de voir un peu ce que j'ai pas. Là par exemple, ce sont mes pulls. Il me faut un petit pull rose, tu vois, par exemple. C'est ce qui me manque. Alors j'adore le pliage, j'ai kiffé. Donc de toute façon, je vous ferai un dressing tour, room tour. Là pareil, bien ranger ça. Là je pense que je vais mettre des combis, des trucs... à la base c'était pour ça, des trucs qui pendent là, enfin bref, rien que de voir ça, ça m'a fatiguée, mais bref, sinon j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi j'ai passé un week-end super, franchement, rien à dire, j'ai passé un trop trop bon week-end, voilà, que je voulais garder pour moi, et puis voilà, ce matin là, donc j'ai fait mon sport comme d'hab, j'essaye de faire vraiment 10-15 minutes, voire 20 minutes de tapis tous les jours, ou d'exercice et tout. Et ça va, depuis 2 semaines et demie, je le fais tous les jours, que ce soit le matin ou l'après-midi, parce que bah, ça dépend ce que j'ai à faire. Donc voilà, là je suis un peu claquée, donc du coup, je vais me poser, je vais faire un peu de montage. Ah non, j'ai les courses à ranger. J'avais oublié que le livreur vient de passer. Après, rien de transcendant, je vais pas vous faire un retour de course, parce que c'est surtout de l'eau. C'est plus facile pour moi. Ah oui, j'ai ce petit thé que j'ai hâte de goûter. Alors, enfin, infusion, moi je bois beaucoup d'infusion, c'est mieux pour mon transit, ma digestion, etc. Si tu veux bien focusser, s'il te plaît. Donc j'ai vu ça, donc j'ai fait mes courses sur Auchan, là, cette fois. Infusion, je disais, il y a du soleil et de l'ananas, donc il y a de l'ananas, mangue, orange, ça a l'air super bon. Et comme je vous dis, c'est une infusion, donc c'est top. Je me suis repris quoi, celle-ci aussi, j'adore la mûre de ma vie. J'ai pris élimination bien-être, du quinoa, de l'eau, ça parce que je dois faire une recette, même si je suis en mode là cette semaine, je suis en mode vraiment diète, enfin en tout cas j'essaye vraiment. Bah c'est tout en fait, hein.
Et puis des trucs que j'ai mis au frais. Enfin voilà, j'avais déjà fait quelques petites courses, donc bon. Donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu aussi comme petit colis. Donc ça, c'est un partenariat avec la marque Irène Cosmétiques. Donc ce sont des cosmétiques japonais et ce sont des sérums personnalisables. Parce que si vous êtes un peu familier de ces, de tout ce qui est japonais, coréen, etc., vous savez qu'ils sont beaucoup en mode layering. Donc en fait, ils mettent plusieurs couches de produits et en fait, ces petits sérums là justement sont personnalisables. Donc moi, j'ai pris le Brightening Serum. J'ai pris le Forever Young, ouais, anti-âge, hein. Et je crois que j'ai pris anti-imperfection, je sais plus, ouais, anti-blémish sérum, parfait, puisqu'en ce moment avec le masque, c'est juste pas possible. J'ai trouvé ça trop bien parce qu'il faut en plus des petits trucs personnalisés, enfin voilà, avec mon petit nom dessus, donc c'est top. Donc voilà, donc je vous en reparlerai, je vais les tester là pendant 15 jours et dans 15 jours, je vous donnerai un peu mon retour. Ensuite, de la part de la marque Ideal of Sweden, j'ai reçu ce petit clutch. Enfin, j'ai pu choisir un article. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier un peu de cette marque. Je pense que oui, puisqu'on la voit quand même passer sur Insta. Et moi-même, de moi-même, j'ai failli commander. Donc, quand ils m'ont contacté, j'étais assez contente. Donc, il faut des protections de coque de téléphone, AirPod, etc. Et du coup, j'ai pu choisir un article. Et j'avais envie de prendre ça parce que je trouve ça super pratique. C'est comme un portefeuille clutch. Vous en avez d'autres aussi avec la chaîne si vous voulez. Et en fait, donc vous avez votre téléphone et il est pas caché. Non mais moi je fais le bordel. Je disais donc que le téléphone n'est pas cassé, c'est la vitre dessus qui est cassée. Bref, vous mettez votre téléphone et vous pouvez mettre à côté des cartes de crédit, des billets de l'espèce, pardon, enfin voilà, et le tout fermé. Je trouve ça trop bien. C'est pratique. Franchement, je trouve ça super pratique. Tu vas au resto et tout, tu prends juste tes clés, tes cartes, ta carte, bref. Et puis voilà, on est parti. Donc ouais, je trouve ça pas mal. Je trouve ça joli en plus, ça fait classe. Donc voilà, donc si jamais vous voulez tester, j'ai un code promo de 10% qui va s'afficher parce que je ne sais plus le nom du code et il est valable jusqu'au 31 août, voilà. Alors les gars, j'allais prendre mon téléphone en fait et en fait c'est magnétique, donc c'est-à-dire tu peux prendre ta coque si tu as besoin de faire une photo, n'importe quoi. Non mais c'est trop bien et après hop tu le remets. Bon alors par contre c'est vraiment magnétique, hein. J'avoue que... ça tombe pas, hein. C'est... ah ouais, par contre la qualité elle est là, mais c'est trop bien. Ah non, je kiffe. Enfin bref. Bon, il est midi et demi, c'est l'heure de manger. Et je vous ai dit, j'ai préparé mes petits plats. Donc là, aujourd'hui, ça va être poisson, patates douces et haricots verts. Donc en fait, je pèse tout. Voilà, donc en gros, 70 grammes de patates douces et 200 grammes de légumes et du poisson. Donc voilà. Mais c'est très bon, hein. Franchement, moi j'aime bien. Et puis toujours les... vous connaissez déjà les légumes de chez Picard, on va pas se prendre la tête. J'ai pris des haricots verts et une poêlée de légumes, j'ai mélangé tout ça, assaisonné un peu. Les pommes, les patates douces, je les ai faites au four avec des assaisonnements et tout. Et le poisson aussi, je l'ai fait au four. Par contre, je l'ai laissé un petit peu trop longtemps. Mais bon, voilà. Bon, on se retrouve quelques heures plus tard. J'ai... attendez, j'ai reçu un message. Oups, bon, mais je dois partir. Bon, du coup, ça c'est mon canapé et en fait je voulais voir les autres couleurs pour changer la housse. Donc moi j'ai celle-ci et j'hésite entre celle-là et celle-là. Le bleu il est joli aussi, mais bon. Ouais. Bon, du coup, je suis en train de regarder des tables basses. J'avais flashé sur celle-ci, mais en fait elle est trop grande parce que la mienne en fait elle est vraiment trop grande. Et celle-là est encore plus grande. Mais elle était tellement jolie avec le petit truc en bas et tout. Mais bon, bref. Du coup, j'aime bien celle-là aussi. Mais les tables en verre, c'est galère à nettoyer. Je sais pas.
pas ce qu'on voulait vous a dit, en fait on a plus de paille. D'accord. Et j'ai plus de gobelet plat, donc soit vous pouvez directement comme ça, oui. Sinon je vous mets dans un gobelet chaud avec les couvertes. Non, ça va aller, vous inquiétez pas, ça va le faire. C'est bon? Oui, il n'y a pas de souci. Merci. Bon, petite pause au Starbucks comme d'habitude. Et franchement c'est dur la vie, parce que comme je suis obligée de garder mon cheat meal pour la fin de la semaine. Là je suis en train de boire un smoothie au Starbucks. Quoi? Vous vous rendez compte? Mais je sais que ça va être bon. De rentrer les gars, je sais même plus comment m'habiller. Il fait chaud, en même temps il fait pas chaud, enfin bref, laisse tomber. Du coup je suis contente parce que j'ai pu trouver quand même pas mal de trucs chez Ikea, donc je vais vous montrer. Du coup je dois aussi ranger les courses que je n'ai toujours pas rangé, enfin j'ai rangé le frais bien sûr, mais je n'ai pas rangé tout le reste, donc je vais le faire aussi. Ah oui, je dois mettre mon vlog en ligne. C'est moi qui voulais me poser. Bon, du coup je vous montre en mode c'est nous-mêmes. J'ai pris ce vase, non mais il me plaisait tellement. Ce vase là, j'essaierai de vous mettre toutes les références en barre d'infos. Mais je l'ai trouvé canon. Donc pour l'instant j'ai juste pris une fleur parce que bon, voilà, je pouvais pas acheter tout le magasin. Mais je vais voir avec ce que j'ai aussi, essayer de faire un truc bien. Mais j'ai surkiffé. Ensuite je me suis pris une vraie plante. Oui oui, j'essaye quand même d'avoir... des vraies plantes à la maison, donc j'ai pris ça, je crois que c'est, je me rappelle plus du nom, truc d'oiseau, comment ça s'appelle, je sais même plus, bref, donc je me suis pris ça, ma moon aussi, je lui en ai pris une, ça c'est une autre plante aussi pour ma moon, et j'ai pris ce petit cache-pot là, parce que je trouvais que ça allait bien avec la déco un peu de chez moi, un peu vintage, paille, bohème, je sais même pas comment appeler ma déco. Ensuite, j'ai repris des fausses plantes, mais je ne connaissais pas celle-là, donc c'est vraiment des petites fausses plantes. Hein. Tu vois, vraiment minus, mais c'est pareil, c'est pour disposer un peu partout. J'ai pris un tapis de douche, vous savez, pour mettre dans la baignoire. Rideau de douche, parce que en fait, j'ai dû changer. J'ai plus de porte, j'ai un rideau de douche, enfin bref, ça s'est cassé, la misère, bref. J'ai repris un panier comme ceci, voilà, un plus petit. Parce qu'en fait, je vais vous montrer, il y avait une présentation comme ça avec cette fausse plante. Et je trouvais ça super joli en fait, tu vois. Bon là, voilà, pareil, j'ai mis à l'arrache, mais je pense que ça va faire bien. Et le clou du spectacle, cette plante énorme. Bon, désolé pour mes baskets, je vais plus me mettre comme ça. Voilà, je voulais une vraie plante, une grosse plante chez moi. Je pense que je vais la mettre par là, enfin voilà, mais j'en voulais une vraie plante. Je suis trop contente, je la trouve jolie, je voulais une plante feuillue et j'en ai vu d'autres qui me plaisent aussi, mais on verra après déjà si celle-ci survit, parce que voilà, faut pas non plus c'est bien gentil, mais voilà, elle coûtait en plus que 19 €, donc c'était pas très cher. Je vous mettrai aussi la référence en barre d'infos, et ça c'est pas pour moi, c'est pour ma moon. Donc voilà ce que j'ai pris, pas beaucoup de choses, mais ça fait quand même un petit budget, mais ouais, très, voilà, très déco, plante, etc. Repas du soir, bonsoir, je suis allée vite. Franchement, des fois je suis pas inspirée, puis des fois je suis inspirée, mais là ça a l'air pas mal. Deux œufs brouillés, des épinards, de la feta et du quinoa. Donc voilà. Bonjour. Ouais, je suis un peu perdue là.
Ça a changé. Oui, pour le taxi. Non, 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 c'est pas la peine. Merci. Bonjour. Ça va? Oui, ça va, Imo? Bonjour. C'est pas mal du tout. Purée, je suis en train de manger, il y a des mouches, ça me gonfle. Les tagliatelles, ouais, c'est pas mal. Hein. J'ai quand même rajouté une petite cuillère à un soupe de sauce soja. Voilà, parce que j'avais envie. Mais ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout avec un petit peu d'eau de coco là. Ah, mais les mouches, cassez-vous. Un peu de Vita Coco. Non, mais là, vous me saoulez là. Voilà, en fait, je suis en train de manger et voilà, j'ai ça. Super. Ah, tu rigoles ou quoi?